Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des accessoires qui accompagnent mes hybrides. Et le premier accessoire, c'est un incontournable, la majorité des photographes l'utilisent, c'est le Peak Design Capture Clip. Et non, il n'est pas là, il est là. Et cette, ce petit accessoire-là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on rajoute sur la lanière du sac à dos. Et ça va de pair, évidemment, avec quelque chose que vous mettez sous l'appareil, qui va aussi hein, sur les trépieds, évidemment. Et quand vous n'utilisez pas l'appareil, ben, à tout moment, je peux venir ranger mon appareil photo ici et je peux le lâcher. C'est beaucoup plus confortable que n'importe quel sangle. Et dès que je veux venir le récupérer, bah évidemment, comme ça, ça ne peut pas tomber. C'est très bien accroché. C'est très solide. Ça a vraiment fait ses preuves. C'est vraiment l'accessoire. Donc je ne peux pas me passer. Il n'y a aucun sac à dos qui n'est pas chez moi ce capture clip. Le second accessoire, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est tout petit. Et en fait, ça, c'est extrêmement solide. C'est réputé quasiment incassable. Vous savez, tous les appareils photo ont ici de quoi mettre quelque chose pour les attacher. Bah, en fait, c'est très simple. Hein. Ça s'installe littéralement en une seconde. Je peux le mettre. Et maintenant, je peux venir mettre plein d'accessoires liés à ça. Et ça, ça va faire une grosse différence parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir enlever et remettre. Par exemple, ici, si je veux mettre la sangle, regardez, en une seconde, j'installe la sangle Peak Design, justement. Et ça y est, mon appareil photo a une sangle. Sauf que cette sangle-là, contrairement à toutes les sangles où d'habitude, c'est un enfer à enlever. Bah ici, dès que j'ai plus besoin de cette sangle-là rapidement, je peux venir l'enlever. Et ces petites, ces petites attaches-là, on peut en mettre dans le sac à dos pour attacher des clés. On peut ici venir mettre un deuxième grip qui permet d'avoir mieux l'appareil en main. Donc c'est parmi les trois produits Peak Design les plus célèbres dans le monde de la photo. Je vous mets tout ça. En description le produit suivant bah, c'est tout simplement mon e-bracket je vous ai fait une vidéo dédiée à ce e-bracket là très récemment c'est un accessoire que je vais être capable de mettre sur tous les appareils photo que j'utilise et qui est extrêmement pratique plateau arca suisse et surtout la possibilité une fois que je suis sur le trépied de venir me mettre ici en portrait allez voir la vidéo que je vous ai fait sur ce e-bracket Petit outil des outils c'est ça J'en ai plusieurs, c'est vraiment le couteau suisse du photographe. C'est-à-dire que quel que soit l'outil dont vous allez avoir besoin, ben en fait, il est ici. Quel que soit, vous voyez, j'ai des clés Allen ici et en fait, j'ai tous les embouts possibles. Ça, c'est un outil qu'on pourrait penser que ça vient de Leroy Merlin ou autre. Non, non, c'est fait par SmallRig directement. C'est vraiment un outil pensé pour les photographes. Et je sais que quand je mets ça dans mon sac, je sais que ben, je ne vais pas manquer d'outils. Donc ça, c'est un outil pareil. Hein, Vraiment, je ne peux pas me basser de cet outil-là. C'est quelque chose aussi qui est très réputé dans le monde de la photo. Quand je prends mes hybrides dans le sac, bah, il est quand même impossible de prévoir que ma fille va peut-être me mettre une trace de doigt, ou peut-être que c'est moi en changeant l'objectif qui vais faire quelque chose qu'il ne faut pas. J'ai besoin de savoir que dans mon sac, j'ai de quoi le nettoyer. Donc, poire soufflante, très évident. Le stylo à objectif, c'est pareil. J'ai aussi, je pars jamais sans avoir de quoi nettoyer mon capteur. C'est extrêmement simple de venir nettoyer le capteur, donc ça serait dommage de ne pas l'avoir. J'ai aussi généralement du chiffon. Moi, je pars jamais dans un chiffon. C'est exactement un chiffon type de ceux qu'on utilise pour laver les lunettes. Chiffon microfibre aussi, ça fait très très bien l'affaire. Et j'ai aussi les lingettes. Moi, j'utilise toujours ces lingettes-là, vous voyez. C'est des lingettes... Des lingettes à usage unique, je sais que si j'ai une tache de gras ou autre, je prends une lingette, je la craque, je sais qu'elle est propre, elle est humidifiée, c'est de l'alcool, donc ça va s'évaporer très très vite. Ça aussi, je pars jamais sans ces accessoires de nettoyage-là. Enfin, parfois, on veut partir léger, donc bah, on exclut le trépied, parce que le trépied, de toute façon, c'est jamais léger. Pour autant, est-ce que je suis obligé de partir sans absolument rien Non. Quand même pas. Donc moi j'ai une solution que j'utilise depuis des années. Voilà pour le coup, je crois que vous êtes des milliers à l'avoir utilisé depuis que j'ai fait ces vidéos-là sur ces trépieds-là. C'est le trépied qui a la dimension d'un objectif. Donc ça va rentrer dans n'importe quel sac. C'est pas extrêmement lourd, mais c'est quand même un vrai trépied parce qu'en fait ici, vous allez, voir, je vais pouvoir le retourner et il y a même une colonne centrale. Et c'est vraiment un trépied, vous voyez. Ici, c'est télescopique. Donc, une fois que j'aurai tout verrouillé, vous voyez, c'est quand même un trépied qui va monter assez haut. Donc, ce n'est pas ridicule. Ça soutient le poids d'un appareil, même d'un appareil professionnel. Et ben, finalement, plutôt que de rien avoir, ce trépied-là, il m'a sauvé la vie dans des centaines de situations. Alors, certains vont peut-être trouver que se trimballer avec ça, c'est encore, encore trop lourd et que ça ne vaut pas le coup. Dans ce cas-là, bah, vous avez le trépied type Gorillapod. Ça aussi, c'est des accessoires de légende pour les photographes. C'est encore plus léger, c'est en plastique. Là, le principe, bah, c'est plus du tout finalement de venir poser un trépied au sol. Ça va être plutôt d'accrocher le Gorillapod, par exemple, sur un arbre, sur une branche, sur une rambarde. Et finalement, généralement, on entoure parce que ça, ça va être extrêmement flexible. Et je vais pouvoir entour, entourer, par exemple, une rambarde. Voyez, la rambarde n'est pas ici et mettre l'appareil photo dessus. Et ça va faire l'affaire. Ça aussi, c'est des accessoires de légende. Mais plutôt que parfois partir sans aucun trépied, ce qui va vous limiter dans les possibilités, ces solutions-là permettent de trouver un compromis. Et vous, c'est quoi les accessoires que vous apportez systématiquement avec vos hybrides J'ai hâte de lire les commentaires. Dites-moi tout ça, qu'on ouvre les débats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut